Salut Léo, bien dormi ? Ça va, merci. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui est un grand jour. Nous partons avec Arlette à la recherche du codex sororal. C'est un artefact mystérieux et antique qui renferme un grand pouvoir. Cependant, le patriarche, une entité abstraite et protéiforme, le retient dans son antre. Allez, à se traîner. Au revoir, Titouan. Fais bien la vaisselle. Je vais concocter un clafoutis pas piqué des hannetons. Bonne journée. Où allons-nous pour commencer ? Dans le dédale des canards. Oh, cet endroit ne me dit rien qui vaille. J'espère que nous n'y ferons pas de mauvaises rencontres. Je suis Splaining Man. Je suis là pour votre bien. Le patriarche n'est pas votre ennemi. Retournez d'où vous venez. Arrière, scélérat. Nous savons qui tu es. Mais ce n'est pas à toi de dicter notre conduite. En garde, sorcière. Oh, diantre. Je crois que nous approchons de l'antre du patriarche. Je suis le patriarche. Qui êtes-vous, malheureuse, qui osez m'importuner ? N'est-ce pas dans l'ordre des choses que les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose ? Pour toutes ces années d'oppression, patriarche, tu paieras ! Attends, Léo, tu ne peux y arriver seul. Mais je sais comment l'affaiblir. Cet ouvrage renferme une formule incantatoire qui n'est efficace que si nous la prononçons ensemble. Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? À l'assaut, camarade ! C'est le moment ou jamais d'en finir ! Victoire ! Seule la lutte paie ! Sortons le coffre de cette caverne. Le voilà ! Le codex sororal. Vive l'émancipation ! Vive les luttes des femmes !